serai plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, te remercions pour ce jour. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ton amour et merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras et tout ce que tu continueras de faire dans nos vies. Nous demandons Seigneur qu'aujourd'hui que tu visites chacun de nous de nouveau au nom de Jésus-Christ. Ta puissance, ta force, ta joie, que tout cela s'accomplisse dans nos vies aujourd'hui. Ouvre nos yeux afin que nous voyions le message que tu nous envoies. Et à chacun de nous, nous demandons que ce message fasse du bien dans chaque vie. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et vous dites Amen. Aujourd'hui, nous allons à Apocalypse 2. Et quand nous voyons Apocalypse 2, nous allons voir le verset 8, 9, 10 et 11. Quatre versets des Écritures. Et le Seigneur nous envoie le message à l'Église. S'il vous plaît, ouvrez la Bible. Apocalypse 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Et le verset 10 dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et le verset 11 qui nous amène à la conclusion de cette lettre. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est le message que le Seigneur veut que nous examinions ce jour. C'est un message envoyé à l'église de Smyrne. Et j'ai dit la semaine passée, si vous vous rappelez très bien, que ce message a une application personnelle, à chacun de nous. Quoique cela est également une anticipation prophétique, c'est-à-dire que quelque chose qui va venir, mais que je le dise de cette manière, du temps au moment où il a donné cette lettre à Jean, à transmettre à l'église en Éphèse, à l'église à Smyrne, à l'église à Pergame, à l'église à Thyatire, à l'église à Sardis, à Sardes et à l'église à Philadelphie et à Laodicée. Toutes ces lettres, ces épîtres provenues de Christ à l'église, ces lettres ont une anticipation prophétique. Alors, et dans chaque génération, dans chaque siècle à venir, cela anticipe, cela regarde l'avenir. Ce message est encore pour nous aujourd'hui. Comme on s'approche de la fin du monde, c'est une église persécutée. L'église était fondée là où il y a la loi de César. Il y a beaucoup de persécution parce que les croyants ne sont pas permis, les croyants ne vont pas aller ensemble avec l'empereur du jour, le héros du jour, le dieu de ce monde parce qu'ils ne vont pas sans pour adorer leur dieu. C'est pourquoi ils sont persécutés. Mais ce sont des églises ici persécutées et persévérantes. Et ce message est intitulé la puissance prédominante des chrétiens persévérés. Oui, persécutés, mais nous persévérons. Oui, nous sommes entourés de toutes les difficultés et de tous les défis. Mais parce que nous n'allons pas compromettre notre foi, nous avons le pouvoir de prévaloir, le pouvoir pour dominer. Et la puissance prédominante des chrétiens persévérants. Nous allons voir 3 points comme on voit le titre. Numéro 1, c'est la rassurance pour les saints persécutés et persévérants. Il nous a donné l'assurance et vous donne, en particulier frères et sœurs, ma fille, mon fils là-bas, il vous donne
un message d'encouragement, qu'il est le premier, qu'il est le dernier, qu'il est mort et qu'il est revenu à la vie. À cause de cela, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la persécution, vous allez vous assentir au côté brillant de la vie au nom de Jésus-Christ. La rassurance pour les saints persécutés et persévérants. Deuxième point, le regret des gens pervers et profanes. Ces persécuteurs qui essaient d'opprimer le peuple de Dieu, ils croient qu'ils sont tout en tout parce qu'ils ont le pouvoir, l'autorité, ils ont le soutien de l'autorité du jour pour opprimer et pour persécuter les croyants. Deuxième point, nous avons le regret au dernier jour, le regret même dans ce jour, le regret des oppresseurs pervers et profanes. Troisième point, la récompense des âmes patientes et utiles. C'est celui que vous êtes, c'est celle que vous êtes. Nous serons utiles, nous continuerons d'être utiles. Nous sommes patients, nous persévérons et nous sommes utiles et nous aurons notre récompense. Troisième point maintenant, c'est la récompense des âmes patientes et utiles. Nous abordons maintenant le premier point. Notre premier point est la rassurance. La rassurance pour les saints persécutés et persévérants. Allons encore à notre Apocalypse 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Verset 9 dit, je connais ta tribulation et je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Et le verset 10 dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et puis, Dieu, vous aurez une tribulation de 10 jours, quelque chose de très bref, de temporaire, un bref moment. Vous aurez une tribulation de 10 jours seulement. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Maintenant, c'est dit que nous devons être intrépides. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Cela me conduit à la première session de ceci. La raison pour l'intrépidité des croyants purifiés. Quelle raison as-tu? Quelle raison es-tu? As-tu, mon frère, ma soeur, pour être intrépide? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et nous avons cette intrépidité parce que lui-même est de notre côté. Il est à notre côté. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. À cause de cela, il est toujours présent. Il est là. Sa force est là. Son esprit est là. Et sa puissance qui soutient est toujours là. Et il va modérer tout. Il va gérer tout. Il ne vous permettra pas d'être tenté, d'être éprouvé. Il ne permettra pas que vous soyez opprimé au-delà de votre force. Même, il va faire une échappatoire afin que vous puissiez supporter cela. Allons à Matthieu chapitre 10, 26. Matthieu 10, 26 qui dit, ne les craignez donc point, voici cela, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché. Y a-t-il quelque chose qui soit derrière la porte? Y a-t-il quelque chose qui soit sur l'écran? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui projette contre vous? La conspiration des gens contre vous. Qui dit, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Numéro 1, c'est révélé au ciel déjà. Déjà, c'est découvert devant le Seigneur, le Sauveur déjà. Et dit, et c'est révélé au ciel. Si ce n'était pas selon l'objectif de Dieu pour votre vie, cela ne sera pas. Cela ne s'accomplira pas. Le Seigneur lui-même ne permettra à rien de vous arriver qui n'est pas selon son dessein. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Verset 27. 27 dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de crainte
et qui ne sera pas accompli. Toutes les promesses qu'il vous a données dans les ténèbres, lorsque vous êtes tout seul avec lui, dans la chambre avec lui, alors vous pouvez propager cela, vous pouvez publier cela sur le sommet de la montagne, vous pouvez annoncer cela, parce que ce sera accompli. Et dit que, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le, prophétisez-le, prêchez-le sur les toits. Et verset 28 dit, ne craignez pas ceux qui tuent le cœur, le corps, et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Verset 29 dit, ne vantons pas de passereau pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre. Sans la volonté de votre Père, arrêtons-nous un peu. C'est dit que regardez les passereaux, ces oiseaux qui n'ont pas la vie éternelle. Regardez les passereaux des oiseaux. Et Jésus n'est pas mort pour les passereaux à la croix du calvaire. Mais il dit que regardez les passereaux. Ces passereaux ne peuvent pas accomplir une volonté éternelle de Dieu. Ils ne sont pas prédicateurs, mais tout de même. Aucun de ces passereaux ne tombe à terre sans la volonté de votre Père. Puissiez-vous vous mettre à côté de ce passereau, combien vous êtes valable, combien vous êtes digne, combien important vous êtes, combien précieux vous êtes. Et c'est dit, cependant, il n'en tombe pas un à terre. Parce que deux passereaux sont vendus pour un sou et aucun d'eux ne tombe à terre sans la volonté et sans la permission de votre Père Céleste. Le Père Céleste, combien vous-même. Et verset 30 dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Qu'est-ce que cela dit? Cela veut dire que, je ne sais pas si je dois dire que la moindre partie de votre vie, de votre corps, pourquoi je dis cela? Vos os sont plus importants que vos os, que vos cheveux. Vos yeux sont plus importants que vos cheveux. Votre langue plus importante que vos cheveux. Le système sanguin plus important que vos cheveux. Si vos cheveux sont tous comptés, vos os sont comptés, vos veines sont toutes comptées, et le Seigneur va vous protéger, frères et sœurs, vous êtes protégés. Et verset 31 qui dit, ne craignez donc point, parce que vous êtes précieux, et parce que vous êtes, vous avez de la valeur, vous êtes valeureux, vous avez valable, et ne craignez donc point, parce que Dieu a un plan, un objectif pour votre vie. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et nous dit en deuxième Timothée, chapitre 1, 7. Deuxième Timothée 1, 7. Et car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Un esprit de timidité, si cela se présente en nous, ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Il s'est donné par un ennemi qui veut que vous le craigniez afin qu'il ait la même mise sur vous. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de force, d'amour et de... Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 1 Jean 4, verset 4 qui dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, même les bébés en Christ, vous êtes de Dieu, même les jeunes hommes, les jeunes femmes en Christ, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, les pères, les mères, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, les prédicateurs et les ministres, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je veux que vous souligniez cela dans votre Bible. Je sais que plusieurs d'entre nous connaissent ce verset, mais soulignez cela. Que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous allons faire quelque chose sur cela. Il faut garder cela à l'esprit, dans votre compréhension. Gardez cela dans votre mémoire. Que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, revenons maintenant à l'Apocalypse 2.
Voilà le verset 9. Verset 9 dit, « Je connais ta tribulation et me comprenez. Celui qui est en vous, Christ Jésus-Christ, est votre trésor. Votre trésor est plus grand que la tribulation. » Et votre pauvreté et la pauvreté. Et ta pauvreté. Christ est celui qui pouvoir avait besoin. Votre pouvoir est plus grand que votre pauvreté. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Votre bienfaiteur est plus grand que les calomnies de ces gens. Mais qui sont une synagogue de Satan. Oui. Votre sanctuaire, votre abri, votre refuge est plus grand que la synagogue de Satan. Et le verset 10 nous dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et le Seigneur Jésus-Christ, votre sauveur, et celui qui vous fortifie, est plus grand que la souffrance. Et dit, voici le diable, jettera quelques-uns de vous en prison. Votre libérateur est plus grand que le diable et dit il vous jettera en prison. Votre protection, le paradis qui vous donnera finalement est plus grand que la prison. Afin que vous soyez éprouvés, oui, votre triomphe est plus grand que votre épreuve. Vous aurez une tribulation et vous aurez un trésor qui vous donne et le trésor dans votre cœur est plus grand que la tribulation. De 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Notre libérateur est plus grand que cette mort. C'est ce qu'il dit. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a rien à craindre. Ne crains donc point. La deuxième session. Les ressources pour les saints persécutés et fidèles. Oui, les saints persécutés peuvent être fidèles. Nous avons des ressources. Quelles sont les ressources que nous avons? Numéro 1, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Le Seigneur dit, ma grâce te suffit. C'est pourquoi vous pouvez être fidèle. Ce sont les ressources. 2, c'est la bonté de Dieu. Le Seigneur lui-même est bon. Quand nous disons que Dieu est bon, vous dites quoi? À tout moment. Lorsque je dis à tout moment, vous dites Dieu est bon. Dieu est bon à tout moment. Alors, Dieu est bon. La bonté de Dieu, c'est notre ressource et la gloire de Dieu. Et dit que si nous souffrons, l'esprit de gloire et de vie repose sur nous. Parce que cette gloire qui repose sur nous, cela nous rend fidèles. Nous savons que quelle que soit la persécution, quelle que soit la souffrance, la grâce de Dieu demeure en vous. La bonté de Dieu demeure en vous. La gloire de Dieu demeure en vous. Non seulement ça, numéro 4 maintenant. La promesse de Dieu aussi demeure en vous. Il nous a donné la promesse qui est pour la vie et pour la piété, afin que vous puissiez avoir une nouvelle nature. Il n'y a rien à craindre. Nous avons des ressources pour être fidèles. Non seulement ça, nous avons la présence de Dieu. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, afin que nous puissions dire que le Seigneur est mon aide, que peut me faire un homme. Donc, nous avons aussi la puissance de Dieu. Pensez à cela. La puissance de Dieu demeure en vous. La puissance de Dieu est pour vous. Alors, nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu, prêt pour le salut à être révélé au dernier jour. Et puis nous avons l'objectif de Dieu, nous avons le dessein de Dieu, le pourquoi vous êtes créé. Dieu a un objectif pour que vous deveniez chrétien et vous amenez au ministère. Dieu a un objectif, alors il veille sur votre vie. Alors nous avons l'objectif de Dieu et nous savons que toutes choses concourent au bien dans votre vie. Toutes choses concourent au bien dans votre famille, toutes choses concourent au bien dans l'église locale et dans l'église entière. Quel que soit ce qui se passe, que ce soit la pandémie, l'épidémie, et une éruption de malheur, toutes choses concourent au bien pour ceux qui sont appelés de Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, voyez les ressources que nous avons, c'est pourquoi ils étaient fidèles, les ressources que nous avons pour la fidélité. Et allons à 1 Timothée, chapitre 1, verset 12, qui dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire cela? Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur. Levez votre tête et détournez votre
esprit de tout ce qui se passe. Il y a des ténèbres là-bas, il y a la pluie qui tombe là-bas, il y a quelque chose ici, une autre chose là-bas. Je dis que je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus notre Seigneur. Il faut le personnaliser. C'est notre ressource. Et qui m'a fortifié, vous a fortifié, vous donnera la force de ce qu'il m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère, chapitre 6, 1 Timothée 6, 2. 1 Timothée 6, 2. Que dire? Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Nous sommes des participants des bienfaits du Seigneur. Gloire à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, bénissez le Seigneur. Bénis la, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les bienfaits qui proviennent du calvaire, les bienfaits qu'il a acquis pour nous, tout est disponible. Ce sont les ressources que nous avons. Parce que nous avons ces ressources, c'est pourquoi nous n'avons pas peur. C'est pourquoi nous sommes fidèles et le Seigneur vous gardera fidèle tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, comme nous parlons des ressources que nous avons les richesses en plénitude. Les richesses en plénitude, c'est la troisième partie maintenant. Les richesses en plénitude pour les saints persévérants. Les richesses en plénitude pour les saints persévérants. Allons à l'Apocalypse 2. Apocalypse 2, voyons à l'Apocalypse 2, verset 9. Je connais ta tribulation. Oui, ce chrétien n'est pas un chrétien oisif, un ministre oisif. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. À tout cela est extérieur. À tout cela est externe. Tout cela est superficiel. Je connais ta tribulation et ton épreuve. Je sais ce qui vient de dehors, mais ce que tu as à l'intérieur est plus grand. Et ta pauvreté, cela vient de dehors. Quand les gens vous voient de l'extérieur tout ce qu'on peut voir, c'est la pauvreté. Mais et dans les entre parenthèses, quoi, bien que tu sois riche, Jésus a dit, bien que tu sois riche, Christ a dit que tu es riche. L'évangile a dit que bien que tu sois riche. Ouais, il nous a enrichis, il nous a enrichis. Nous avons les richesses de sa grâce. Nous avons les richesses de sa bonté. Nous avons les richesses de la piété. Nous avons les richesses de la gloire. Et voyons Jacques chapitre 2, verset 5, qui nous dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Vous devez souligner cela, vous devez penser à cela, pour qu'ils soient riches en la foi. Si vous avez la foi, vous avez le salut. Lorsque vous avez la foi, vous avez la pureté du cœur. Lorsque vous avez la foi, vous avez la puissance de Dieu. Lorsque vous avez la foi, vous aurez la réponse à vos prières. Lorsque vous avez la foi, vous serez en mesure d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Lorsque vous avez la foi, vous serez en mesure de marcher victorieusement. Lorsque vous avez la foi, vous serez vainqueur. Si vous avez la foi, c'est dit que Dieu vous a choisi pour que vous soyez riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Il a promis, il vous a tout promis et vous êtes riches au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, nous lisons le verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Regardez ceci maintenant. Quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. La richesse de la gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est ce que vous avez. C'est pourquoi nous disons que nous sommes les richesses en plénitude pour les saints persévérants. Nous allons aux Éphésiens chapitre 2, verset 7. Qui dit? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Comprenez cela. L'infinie richesse de sa grâce. Ce que la grâce peut faire dans notre vie. Ce que la grâce peut accomplir en nous. Nous avons la richesse de sa grâce.
par sa bonté envers nous à Jésus-Christ. Et il nous dit en Éphésiens 3:16, et voir le verset 16 qui nous dit: afin qu'il vous accorde gloire à Dieu, vous même à vous aujourd'hui, afin qu'il vous accorde selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Votre homme intérieur, votre esprit, votre âme, votre vie, votre cœur seront fortifiés selon la richesse de sa gloire. Verset 20 dit: or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça, maintenant que je lise, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en moi infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Lorsque Moïse a prié, je me rappelle lorsque Josué a prié, lorsque Jérémie a prié, je me rappelle lorsque Daniel a prié, arrêtez-vous un peu, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en eux, l'heure est venue. Je peux prier, vous pouvez prier, Dieu va vous exaucer, vous serez intrépide au nom de Jésus, vous serez fidèle au nom de Jésus-Christ. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Par la puissance qui agit en nous. Alors, quand vous priez aujourd'hui, comme vous faites vos requêtes au Seigneur aujourd'hui, comme vous voulez que le Seigneur vous fortifie dans l'homme intérieur ce jour. Où est la puissance de l'Esprit? Où est-ce que la puissance de l'Esprit va? Où est-ce que la puissance de l'Esprit va travailler? Où est-ce que l'Esprit du Seigneur va travailler? Dites-le-moi. Cela va travailler en vous. Je dis que par la puissance qui agit en nous. Nous allons maintenant au deuxième point. Quand nous voyons le deuxième point, nous allons lire Apocalypse 2, je lis la deuxième partie du verset 9. La deuxième partie du verset 9 dit, et Apocalypse 2, verset 9, deuxième partie qui dit que, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Les persécuteurs ne savent pas que Dieu connaît tous deux. Pourrait vous dire que les persécuteurs, les pécheurs, les oppresseurs, les calomniateurs, les moqueurs, ils ne savent pas que le Seigneur connaît tout ce qu'ils font. Ils croient que nous sommes les seules personnes que les chrétiens connaissent quand on se lève, quand on va à gauche, à droite. Et Dieu sait, et quand on va devant, quand on va en arrière, Dieu connaît tout ce que les incroyants font. Il dit ici que les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10 dit: ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il dit que tous ceux qui vous font souffrir, même je sais, avant qu'ils n'amènent ce qu'ils font de leur secret, déjà je sais cela. Et si je veux détruire cela, je peux le faire. Voici le diable, jettera quelques-uns de vous en prison. Il connaît ce que le diable fait et ce qu'il fera. Et afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Une couronne vous attend. Maintenant, le regret des oppresseurs pervers et profanes. Tout d'abord, c'est l'ignorance des persécuteurs des saints. Et ils ne savent pas. Mais Christ dit que je connais. Parce que je connais tout. Voyons, Deutéronome 31, 21. Voici ce dont les persécuteurs sont ignorants. Et
quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'affections, ce cantique. Car je connais leur imagination. Je connais en effet sa disposition qui déjà se manifeste aujourd'hui avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Le Seigneur connaît leur imagination, leur pensée, leur projet. Deutéronome 31, 21, je connais tout ce qu'ils essaient de faire. Ésaïe, chapitre 37, verset 28. Mais je sais quand tu t'assieds, si y a-t-il quelqu'un qui se cache quelque part pour jeter quelque chose à vous en tant qu'enfant de Dieu? Le Seigneur dit que, mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres. À tout moment, ils vont par-ci, par-là. Et quand tu es furieux contre moi. Voilà. Ésaïe 66. Et verset 18. Je connais leurs yeux et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues, elles viendront et verront ma gloire. Je connais leurs yeux et leurs pensées. Soulignez cela dans votre Bible. Le Seigneur connaît. Il connaît tout ce que les pécheurs voudraient faire. Dieu connaît ce que les opprimés, les oppresseurs voudraient faire. Dieu connaît tout. Et ne permettra pas qu'il aille au-delà de la limite qu'il a tracée. Amos chapitre 5. Amos 5, et Dieu dit que ceux qui affligent le juste, ceux qui persécutent le juste, Dieu connaît tout cela. Ceux qui renversent la justice, et Dieu connaît tout cela. Amos 5, verset 12. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Et vous savez ce que le Seigneur dit, que ce que vous faites à mes croyants, à mes disciples, alors vous me l'avez fait. Maintenant, le numéro 2, c'est l'iniquité des pervers de Satan. Voyons. Jean chapitre 8, ne lisons le verset 37, leur iniquité, les choses mauvaises qu'ils font. Jean 8, 37, je dis, 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, des gens religieux, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je connais votre iniquité, l'iniquité des pervers de Satan. Satan les a pervertis. Verset 44. Vous avez pour père le diable. C'est direct, c'est clair, c'est poignant ici. Et dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de vos pères, de votre père. Ils se croient libérés, ils se croient libres. Ils se disent ne pas être sous le contrôle de quelqu'un, qu'ils font tout eux-mêmes. Mais Jésus dit que vous ne savez pas que vous êtes ignorants, que votre iniquité est que vous faites les œuvres de votre père. Alors, il a été meurtri dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Cela nous dit donc que l'iniquité des incroyants, l'iniquité des persécuteurs est l'œuvre de Satan. Ils sont pervertis par le diable. C'est la raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Voyez cela,
C'est un esprit séducteur, un esprit trompeur qui les influence et a des doctrines de démons. C'est leur iniquité. Ils sont pervertis par Satan. Ils travaillent pour Satan. Ils font la volonté de Satan. Et ils prêchent la doctrine du diable. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Qu'est-ce qui sera le résultat de ces persécuteurs ignorants? Qu'est-ce qui sera le résultat de ces pervers qui pratiquent l'iniquité? Cela nous amène à ce point qui est l'indignation contre les hypocrites du sanctuaire. Pourquoi nous disons qu'ils sont hypocrites? Voyons, Tite 1, 16. Mais ils font profession de connaître Dieu. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils se disent religieux, mais ils ne sont pas justes. Ils se disent appartenir à Dieu et qu'ils sont enfants d'Abraham, mais ils ne font pas les œuvres d'Abraham. Et ils font profession de connaître Dieu. Ils professent qu'ils sont des gens qui vont à l'église, qu'ils sont des croyants qui croient à la Bible, qu'ils professent être croyants, mais ce sont des paroles de bouche. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Alors, quelle est l'indignation? Quel est le problème? Qu'est-ce qui sera le défi pour eux? Et nous allons à Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, nous lisons le verset 41 qui dit: « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ceux qui servent le diable et qui le servent maintenant ici et qui refusent de se repentir et qui ne changent pas, qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ et qui continuent de servir le diable jusqu'à la mort et qu'il n'y a pas de repentance, ils vont passer leur vie éternel dans le feu du diable, dans le feu avec le diable, préparé pour le diable et pour ses gens. Et verset 46, et ceux-ci, voyez les disciples de Satan, ce sont ceux qui servent le diable, et ceux-ci, ce sont ceux qui servent le diable sans se repentir, et ceux-ci sont ceux qui sont ignorants, qui ne savent pas que Dieu les connaît comme persécuteurs, des hypocrites, des oppresseurs. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Dieu merci pour le croyant. Dieu merci pour vous en tant que croyant. Dieu merci pour vous en tant qu'enfant de Dieu. Mais les justes à la vie éternelle. Je prie que la vie éternelle soit votre partage, votre portion au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Nous abordons maintenant le troisième point. Le troisième bouquet, nous avons une récompense. Vous aurez une récompense. Il faut dire, j'aurai une récompense. Le Seigneur vous gardera fidèle. Et comme le Seigneur vous garde fidèle, il vous donnera la récompense au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Voyons, Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Nous l'avons déjà expliqué, vous n'avez pas peur parce que vous savez que celui qui vous secourt, celui qui vous fortifie est plus grand que toute souffrance que le diable peut amener. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. C'est déjà dit, votre libérateur est plus grand que le diable, votre protecteur est plus grand que cette prison. Et afin que vous soyez éprouvés, nous avons là des gens qui disent que votre triomphe sera plus grand que votre épreuve et vous aurez une tribulation de 10 jours. Celui qui est le trésor dans votre vie sera plus grand que cette tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort. Nous l'avons déjà expliqué que vous serez fidèle, je serai fidèle. Nous avons une ressource d'être fidèle. Regardons maintenant la récompense qui dit « Et je te donnerai la couronne de vie. » Et je te donnerai la couronne de vie. Vous aurez une couronne.
personne ne prendra votre couronne au nom de Jésus-Christ. Voilà la promesse de Dieu numéro 1 maintenant. La couronne de vie pour les vainqueurs. La couronne de vie pour le vainqueur. 1 Corinthiens 9, 25. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous aurez une couronne incorruptible. Vous aurez une couronne qui ne se fadera pas. Vous aurez une couronne que vous n'allez pas rater, que vous n'allez pas perdre. Et nous battons et nous combattons pour tout afin d'avoir une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, je combats le bon combat de la foi. Verset 27. Mais je traite durement mon corps, comme l'apôtre Paul, il disait que je suis un homme sous l'autorité et un homme qui a l'autorité. J'ai l'autorité dans ma main, j'ai l'autorité sur ma langue, j'ai l'autorité sur mes pieds, j'ai l'autorité sur mes pensées. Il y a des gens, ils n'ont pas d'autorité ni sur leurs mains. Ils écrivent, ils n'ont pas d'autorité sur leur esprit. Ils pensent, ils écrivent. Alors, ils permettent à leur esprit de s'envoler d'eux, ils permettent à leurs mains de s'envoler d'eux. Paul dit que j'ai l'autorité parce que je suis sous l'autorité. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est ce qu'il dit. Il dit que je ne serai pas comme un racoleur qui appelle les gens et amène les gens. Les gens rentrent dans le taxi ou dans le bus pour voyager vers une destination. Il prend son argent et puis lui ne suit pas le bus. Et que je travaille vers le ciel, je ne vais pas rester là-bas, envoyer les gens au ciel et rester là-bas. Je ne vais pas parler de la gloire et montrer la gloire aux gens. Moi, si j'irai là-bas moi-même, je parle du paradis, le troisième ciel. Je ne vais pas seulement décrire aux gens. Moi-même, je serai là. Et dit que de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul dit que je décide de ne pas être rejeté. Mon frère, vous ne serez pas rejeté. Ma soeur, vous ne serez pas rejeté au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une couronne qui nous attend. Alors nous allons voir 2 Timothée 2:5. 2 Timothée 2:5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. S'il n'a tout fait selon la parole de Dieu. C'est pourquoi nous prions pour la grâce de Dieu dans notre vie. Que tout ce que nous disons, que tout ce que nous faisons, que tout ce que nous agissons, que tout soit fait selon la parole de Dieu. Vous serez couronnés finalement au nom de Jésus-Christ. Voyons. 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. L'apôtre Paul dit, je suis sûr que ces persécuteurs ne raviront pas ma couronne. Je suis sûr que cette souffrance n'enlèvera pas ma couronne, ces épreuves ne voleront pas ma couronne, ces tentateurs et tentatrices ne raviront pas ma couronne. Et désormais, la couronne de vie m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. Le Seigneur est un juste juge. Il n'oubliera pas ce que j'ai fait pour la gloire de son nom. Il n'oubliera pas ce que j'ai fait pour l'exaltation et pour la prédication de l'évangile. Il n'oubliera pas ça.
il n'oubliera pas, parce que c'est un juste juge, il n'oubliera pas votre impact et votre influence et d'avoir encouragé les gens et que les gens progressent vers le règne de Dieu. Et désormais, je sais que désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous, j'y suis inclus, vous y êtes inclus, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous allons à Jacques 1, 12. Et frères et sœurs, Jacques 1, heureux l'homme, cela parle de toi, frères et sœurs, cela parle de vous, croyants. Heureux l'homme, heureux la femme, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Le Seigneur l'a promis et le Seigneur l'accomplira et vous allez porter une couronne et personne ne ravira votre couronne au nom de Jésus-Christ. Nous devons comprendre ceci. Si nous allons permettre à notre couronne d'être ôtée, nous devons porter la croix en ce temps. C'est parce que s'il n'y a pas de croix, il n'y aura pas de couronne. La croix doit précéder la couronne. Cela me conduit à la deuxième session. La croix dans la vie de tous les vainqueurs. La croix dans la vie de tous les vainqueurs. Voyons, Matthieu 16, verset 24, qui dit, « Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si vous abandonnez la croix derrière vous et vous courez les mains vides, vous ne portez pas la croix, comment allez-vous porter votre couronne ?» Lorsque nous savons qu'il doit avoir la couronne avant la, nous savons qu'il doit avoir une couronne, une croix avant la couronne. Comme nous voyons que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et non la croix d'autrui, sa croix et non la croix d'une autre femme, sa croix et non la croix d'un autre croyant. Je suis surpris de certaines personnes. Ils ont leur croix à porter. Ils abandonnent cela. Alors, ils ne portent pas leur croix. Et ils essaient de porter la croix d'autrui. Et ils ne regardent pas à leurs défis. Alors, ils ne se conseillent pas. Ils ne s'instruisent pas. Ils ne prient pas pour eux-mêmes comment ils peuvent porter leur croix. Et ils sont très affairés à conseiller les autres, à aider les autres, à défier les autres, à encourager les autres. Et dire, hey, porte cette croix et je peux la porter pour toi. Mon frère, ma soeur, soyons sobres, soyons vraiment prévenants. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Actes des apôtres, chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations, par beaucoup d'épreuves qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Cette épreuve, cette tentation, cette difficulté, ce défi, c'est notre croix. Et nous portons la croix joyeusement, allègrement, et parce que nous savons que nous approchons plus de la couronne. Deuxième. Timothée 3, 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est la croix. En tant que jeune croyant, c'est la croix. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
en tant qu'adulte, en tant que ministre, en tant qu'ouvrier, en tant que croyant. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si vous prenez la piété comme comme ce qui est très important pour vous, et comme que cela va vous aider à aller à la fin, la sainteté comme ce qui va vous aider à aller à la fin. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui seront justes, saints, pieux en Christ Jésus, seront persécutés. Verset 13. 13 dit, mais les hommes méchants, ce sont les persécuteurs, les séducteurs, ce sont les tentateurs et les tentatrices. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 14. Toi, demeure, porte la croix, demeure, supporte l'opprobre, porte, supporte la souffrance. Toi, demeure, supporte tout ce qui va t'arriver en bravant ce qui t'arrive sans compromettre. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Et comme nous persévérons, ayant les regards sur Jésus, nous aurons la victoire, nous aurons le triomphe, nous aurons la couronne finalement. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, 1. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et se réfère au chapitre 11, à tous ceux qui ont porté leur croix à Ben, tous ceux qui ont mené une vie pieuse, Enoch, tous ceux qui ont fait ce que le Seigneur voulait qu'ils fassent, et Noé, ceux qui ont fait la volonté de Dieu, Dieu les a appelés, ils ont répondu à Dieu, et Abraham, tous ceux qui ont jugé, Dieu fidèle, comme Sarah, les gens qui ont suivi, la voie que le Seigneur a frayée devant eux, Isaac, Jacob, Joseph, tous ceux qui ont fidèlement fait la volonté de Dieu, Moïse, et tous ceux qui ont fait tout ce que le Seigneur les a appelés à faire sans fuir la croix, tous ces gens, jusqu'à ce qu'on ait Gédéon, Samson, David, Jephthé et tout le monde est dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Pourquoi? Vous ne pouvez pas porter ce fardeau et en même temps porter la croix. Mettez le fardeau de côté et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance. Pourquoi? Nous courons vers une couronne. Nous courons vers la récompense. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Voyons ce verset 2. Et dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Il est le premier et le dernier, il est l'alpha et l'oméga, il est le fondement et la forteresse, il est celui qui soutient et celui qui secoue, il est le sauveur, celui qui sanctifie. Nous avons les regards sur lui à tout moment, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Comme nous continuons de regarder Jésus nous sautons par-dessus toute épreuve et nous vainquons chaque croix et nous portons joyeusement chaque croix, chaque épreuve, chaque tribulation, nous les vainquons et finalement nous allons passer à l'autre bord. Vous allez passer à l'autre bord. Chaque jour dans notre vie, nous allons passer à l'autre bord, à la meilleure partie de la vie au nom de Jésus-Christ. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, nous allons passer à l'autre bord et puis lorsque le temps final viendra, et que le Seigneur dira, venez ici, nous irons au ciel au nom de Jésus-Christ. Numéro 3 maintenant, notre passage à la fin de la vie. Mon frère, ce sera bientôt fin. Mes amis, la persécution,
la persécution prendra bientôt fin, la souffrance prendra bientôt fin, les efforts pour vaincre ceci, cela prendront bientôt fin. Et lorsque cette vie prendra fin, nous passerons à l'autre bord. Notre passage à l'autre bord après la fin de la vie. Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voyons ceci. Celui qui vaincra. Qui est celui-là? Dites-le-moi son nom. Dites-moi son nom. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est vous. Vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. Voyons cela. Il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Heureux et saints ceux qui vont vaincre et ces gens n'auront pas la seconde mort. Ils sont bénis avec le salut. Ils sont bénis dans le bien-aimé. Ils sont bénis en Christ. Ils sont bénis par celui qui fortifie. Ils sont bénis par la puissance du Saint-Esprit. Ils sont bénis par les promesses de Dieu. Heureux et saints. La parole de Jésus-Christ les lave, les purifie, les épure, les sanctifie et les a rendus saints. Heureux et saints. Ceux qui ont part à la première résurrection, lorsque Christ viendra, les gens qui ont persévéré, les gens qui suivent joyeusement le Seigneur, lorsque Christ viendra et que la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront, et nous, toi et moi, et nous, les croyants, et nous, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, et nous serons enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et de telles personnes n'auront pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voyons ce qui est dit en Luc 20. Alors, que serons-nous en ce temps lorsque Christ viendra et nous emmènera? Nous serons avec lui pour toujours et n'allons pas souffrir la seconde mort. C'est dit en Luc 20, 36, qui dit, car ils ne pourront plus mourir. Ils sont morts une fois et la seconde mort ne viendra pas. Car ils ne pourront plus mourir. Alors, ils sont ressuscités et ils ne vont plus mourir. Car ils ne pourront plus mourir. Ils sont enlevés et ils sont amenés au ciel. Comme Élie était emmené au ciel, comme Enoch était emmené au ciel et ils ne vont plus mourir. L'Église enlevée, l'Église qui attend l'époux, l'épouse de Christ sera ôtée, sera enlevée. Et c'est dit que, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges. Ils sont semblables aux anges, ils ont la vie éternelle, ils vivent éternellement, ils vivent dans la joie éternellement, ils vivent dans la liberté éternellement, ils vivent au paradis éternellement, ils seront semblables aux anges, et qui seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Retournons à Apocalypse 21, verset 4. Qui dit, et il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Que je vous fasse rappeler que ceci vous appartient. Et Dieu essuiera toute l'âme de vos yeux. Il faut dire amen. C'est un amen faible. Je dis, il faut crier un grand amen. Amen. Dieu, il essuiera toute l'âme. Dieu essuiera toute l'âme de vos yeux. Et il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus parce qu'ils sont vainqueurs. Celui qui vaincra n'aura pas la mort, n'aura pas
n'aura pas souffri la seconde mort. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ça, bientôt cela viendra, et vous allez hériter tout cela au nom de Jésus-Christ. Voyons, chapitre 22, Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Frères et sœurs, nous sommes plus proches de la fin que les années passées. Il dit, voici, je viens bientôt. Continuez de persévérer. Cela ne va pas durer. Christ viendra bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Est-ce que vous faites une œuvre pour Christ? Alors, vous aurez une récompense selon votre œuvre. Est-ce que vous irez au Seigneur les mains vides? Vous n'évangélisez pas? Vous ne prêchez pas? Vous n'encouragez pas les gens? Vous ne visitez pas les gens? Vous ne donnez pas la parole de vie aux gens? Faites quelque chose afin que vous n'alliez pas les mains vides devant le Seigneur. Il dit, je viens et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14, c'est merveilleux. Verset 14, heureux ceux qui lavent leurs robes. Je prie que cela soit dit de vous. Je prie que cela soit dit de nous ensemble. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Je peux vous imaginer au dernier jour, lorsque Christ viendra, lorsque Christ vous appellera, je peux vous imaginer au dernier jour toutes les choses passées, disparues. Je peux vous voir toute votre angoisse passée, toutes vos souffrances disparues, toutes les choses que vous avez à endurer, tout cela disparu. Et Christ dira, c'est l'heure que tout a pris fin, les temps que toute votre tribulation prenne fin, que tous les défis ont pris fin. Enfin, je peux vous voir avec mes petits yeux, je peux vous voir comme le Seigneur vous appellera et dire que maintenant la voie vous est ouverte, la porte vous est ouverte, je peux vous voir vous lever, je peux vous voir aller, je peux vous voir triomphalement et joyeusement et courageusement et audacieusement et avec action de grâce, tu entres par la porte de la vie, de la porte de la vie du Seigneur. S'il y a une faiblesse, dis Seigneur, ôte la faiblesse. Je sais que ce ne sera pas en l'homme. Je vais bientôt entrer au ciel. Vous allez entrer au ciel. Le ciel est pour vous. La gloire est pour vous. Le paradis là est pour vous. Et la ville du Dieu vivant est pour vous. Vous allez entrer là au nom de Jésus-Christ. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, afin d'avoir le privilège, le billet, l'occasion, l'opportunité à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui, nous avons vu ce que le Seigneur a dit. Il vous donnera mon frère, il vous donnera ma fille, il vous donnera ma soeur, il vous donnera mon fils, ma fille, il vous donnera la puissance prédominante. Vous allez persévérer en tant que croyant. Tenez-vous debout maintenant. Ce n'est pas l'heure de parler à l'autre personne qu'est-ce qu'ils ont dit. Ce que nous disons, c'est que nous devons nous lever pour prier. Comme nous prions, dites au Seigneur que le Seigneur s'est présenté. Qu'il est le premier, il dit qu'il est le dernier, il dit que c'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie et qui vit pour toujours. Et c'est lui qui va vous fortifier, recevez sa force, recevez sa puissance, obtenez l'autorité dont vous avez besoin dans votre vie. Et il nous a déjà dit que c'est lui qui va nous soutenir et nous a rassurés. Nous a rassuré l'assurance.
et vous dit maintenant, qui vous donne la raison pour laquelle vous devez être intrépide. Il nous a dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le plus grand, mon frère, demeure en vous. Le plus grand demeure en vous, ma sœur. Il est le plus grand. Il est celui qui fortifie, il est le plus grand. Il est votre soutien, il est celui qui vous soutient. Il est la puissance de Dieu en l'homme, dans la femme, dans l'homme. Il est le plus grand, il demeure en vous. C'est pourquoi vous devez être intrépide. Sa protection est plus grande que tous les emprisonnements que le monde peut apporter. Il est le plus grand. Quand vous le suivez, dites que suivez-moi. Il vous rendra triomphant et victorieux. Non seulement ça, s'il y a une espèce d'épreuve, le trésor, le triomphant vit au-dedans de vous. Parce que j'ai vaincu, vous aussi vous vaincrez. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, le plus grand là, qu'il vive en vous. Vous savez les ressources que vous avez la grâce de Dieu. Et sa grâce vous suffit. Vous avez la bonté du Seigneur. Sa bonté ne fera pas défaut dans votre vie. Et s'il y a quelque chose, s'il y a le péché, il y aura le pardon. S'il y a la faiblesse, il y a la force. S'il y a la compromission du passé, il y a maintenant le courage. Que la bonté du Seigneur demeure en vous. Il y a la gloire de Dieu. Il y a le poids de gloire va demeurer en vous. Il y a la promesse de Dieu pour vous, frères et sœurs. Il y a la présence de Dieu pour vous. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et la puissance de Dieu, cette puissance va vous garder jusqu'au dernier jour. Et il y a l'objectif de Dieu que toute chose concourra au bien pour votre vie. Et cela se sera ainsi. Vous avez les richesses en plénitude, afin que vous soyez un saint persévérant. Et une couronne vous attend, mon frère. Une couronne vous attend, ma sœur. Vous n'allez pas rater votre couronne. Et cette couronne des vainqueurs est la tienne, est la vôtre. Et maintenant même, vous allez régner dans la vie. Et quelle que soit la croix, portez la croix là et vous allez vaincre. Il vous donnera la force pour être vainqueur. Et à tout moment, lorsque vous priez, le Seigneur sera à vos côtés. Alors, vous allez passer à l'autre bord. Et au dernier jour, lorsque tout prendra fin, alors il faut imaginer le ciel là. Vous serez là, visualisez le paradis là. Vous y serez, visualisez la nouvelle Jérusalem. Vous serez là. Vous serez l'un des saints triomphants au ciel. Vous serez à l'autre bord à la fin de la vie. Tout prendra fin, les épreuves, la tristesse, l'angoisse, et puis vous serez à l'autre bord. La grâce de Dieu demeurera de plus en plus en vous. Que la grâce de Dieu, que la bonté de Dieu, que la gloire de Dieu vous protège jusqu'à la fin de la vie au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce jour. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu fortifies ton peuple, tu accordes l'énergie à ton peuple, tu revêts de pouvoir ton peuple. Et nous prions Seigneur, quels que soient les défis dans nos vies, fais que tout le monde soit vainqueur au nom de Jésus-Christ. Tu es le guérisseur, tu guéris, c'est toi qui guéris les malades, c'est toi qui soutiens les opprimés et c'est toi qui libères ceux qui sont opprimés ou liés d'une manière. Je prie que tu viennes avec ta puissance et que tu accordes la force de triompher à tous au nom de Jésus-Christ. Tout problème temporaire, ôte cela de la vie au nom de Jésus-Christ. Et c'est jusqu'à ce qu'on te voit face à face, accorde-nous la capacité, accorde-nous le pouvoir, le triomphe, accorde-nous la victoire, que notre foi en toi soit toujours triomphante au nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur, qu'aucun de nous ne tombe à mi-chemin, qu'aucun d'entre nous ne s'arrête à mi-chemin. Nous irons à la fin et finalement, un à un,
et nous allons passer à l'autre bord. Chaque fois, nous allons traverser, passer à l'autre bord, aller au côté brillant de la vie au nom de Jésus-Christ. Finalement, à la fin, notre passage au ciel que tu prépares pour chacun de nous. Je prie qu'aucun de mes frères, qu'aucune de mes sœurs, qu'aucun des gens qui écoutent aujourd'hui ne perde la couronne au nom de Jésus-Christ. Confirme ta bénédiction sur chaque vie aujourd'hui. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Maintenez la victoire du Seigneur au nom de